Vous êtes là? Oh, c'est quoi ce bazar? Dites, les bricoleurs, vous avez vu le désordre dans la maison? Pépé voulait pas être dérangé pendant son feuilleton, alors j'ai sorti mes voitures. Après, quand il a lu son journal, j'ai joué avec mes soldats. Après, quand Pépé a fait la sieste... Oh, toute petite la sieste! Bah, j'ai fait des jeux vidéo. Puis quand j'allais tout ranger, Pépé s'est réveillé. Et on a décidé de faire une cabane à oiseaux. C'est sûr, les petits oiseaux, c'est plus important que ranger. Ah, oh, compris, encore une fois, c'est moi qui m'y colle. Les vacances commencent bien. Promis, Marie-Rose, ça ne sera pas tous les jours comme ça. Oui, promis, maman. Ça, je veux bien vous croire. Parce que j'étais inscrite chez les kangourous valeureux. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais rien, mon chéri. Je dois remplacer ma collègue en congé. Alors, provisoirement, mon mi-temps passe à plein temps. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi. Tu comprends? Non! Mais je peux m'occuper du gamin, moi! C'est ça, comme aujourd'hui. Non, sérieusement. Là-bas, il y a plein d'activités pour les enfants. Et en plus, tu vas y retrouver tous tes copains. J'irai pas! J'irai pas! Et moi, alors? Je serai tout seul toute la journée? Oui, pourquoi? Mais c'est dangereux, ça! Tchou! C'est même irresponsable! Et si j'ai un pépin de santé, il n'y aura même pas le gamin pour donner l'alerte. Allons, papa, tu es en pleine forme. Et si besoin, tu peux m'appeler à la boulangerie ou aller voir Madame Bertrand à côté. Par contre, évite Madame Commère. Elle m'a tenu la jambe 20 minutes. Et pour la quitter, j'ai dû lui dire que tu es un peu souffrant en ce moment. Ah, ben bravo! Tu te sers de moi comme excuse maintenant. Tu la connais, une vraie pipelette. Pour Cédric, ne t'en fais pas. Et puis, vous n'allez pas faire des cabanes à oiseaux toutes les vacances. À la longue, Cédric va finir par s'ennuyer. Et l'occuper toute la journée, c'est pas de la tarte. Tchou! Je me demande bien à quoi je sers, moi, dans cette maison. Écoute, papa, ne le prends pas comme ça. Si tu veux te rendre utile, tu peux toujours passer l'aspirateur, ou mettre la table, ou m'aider à étendre le linge. Moi, je rigole, papa. T'as assez travaillé toute ta vie, va. Allez, Cédric, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Non, je vais pas. Cédric! Oh. À ce soir, papa. Surtout, prends tout ton temps pour venir me chercher, ok? Salut, Chen! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais horreur des kangourous valeureux. Oh, c'est du passé, tout ça. J'ai mûri. Et puis, c'est à cause de ma mère. Maintenant qu'elle a un boulot de plein temps... Un boulot de plein temps? Ah, Cédric. Suis-moi, les réjouissances, c'est par ici. Salut! Bon, bah, peut-être à ce soir? Ben, on va pas avec... Je veux dire, par là? Ah non, il y a tellement d'inscrits qu'on a dû faire deux groupes. Là-bas, c'est les verts et nous, on est les rouges. C'est comme ça, on reviendra dans la soirée après le goûter. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres de marche pour aller pique-niquer à la ferme, c'est complètement nul. Bah quoi, ça s'appelle une randonnée pédestre, c'est sympa. Moi, je préfère les randonnées pédestres à vélo, ça va plus vite. Papa, tu mettras ta tasse dans l'évier, je m'occuperai de la vaisselle ce soir. Allez, bisous, je file, je suis en retard. C'est ça, je reste avec les meubles. Je suis juste là pour décorer, comme eux. Eh bien, on va voir ça. Pourquoi ils n'utilisent jamais ce lave-vaisselle? Ça ne doit pas être compliqué à faire marcher. Voilà. Et hop. Qu'est-ce qu'on va dire après? Merci, Pépé! 214 km à pied, ça use, ça use. 214 km à pied, ça use les souliers. 215 km à pied, ça use, ça use. 215 km à pied, ça use les souliers. Ah, c'est vrai que ça use. Marie-Rose n'en reviendra pas. Les enfants, 5 minutes de pause. 2, 4, 6, 8, 9. Comment ça? 9 kangourous rouges? J'ai perdu un kangourou rouge. Eh, monsieur, c'est Cédric. Il y a 5 minutes, il était là. Et puis, pouf, il s'est envolé. Envolé? Oh, l'autre, eh, ça vole pas, les kangourous. Ah, Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Et ne t'avise pas de t'échapper. Tu restes devant jusqu'à la ferme. Quand ils rentreront, ils ne reconnaîtront même pas la maison. Oh, non.
Oh, t'es chaud. Oh. Madame Commère. Oh, me voilà soulagée, vous êtes vivant. Bah heureusement, pourquoi vous en doutiez? Non, mais c'est votre fille, elle m'a dit que vous étiez très très malade. Alors vous comprenez, je suis venue aux nouvelles. Oh, ça va pas fort. Une maladie tropicale. J'ai attrapé ça dans ma jeunesse. De temps en temps, j'ai des crises. Le pire... c'est que c'est encore très contagieux. Eh ben, soignez-vous bien, surtout. Je demanderai des nouvelles à votre fille. Tu veux mon sandwich? J'aime pas. Arrête de faire cette tranche, on dirait que t'es en prison. C'est exactement ça. À propos de prison, l'autre jour, à la télé, il y avait un super film, histoire d'un prisonnier qui se casse exprès le bras pour sortir. Faut vraiment que t'arrêtes de regarder des trucs. Oh. Pas croyable. Oh, la tête de Madame Commère. Quand même, quel comédien. Personne n'a mon talent dans la famille. Cédric, qu'est-ce que tu as? Mon ventre! Je dois faire une crise de fièvre aphteuse du foie! Faut que je voie... un médecin! La fièvre aphteuse du foie? On me l'avait jamais faite, celle-là. Allez, arrête maintenant. Monsieur, si c'est pas du cinéma... Vous n'allez pas le laisser comme ça! Faut faire quelque chose! Toi, Manu, va me chercher Blaireau Futé. Faut que je ramène Cédric chez lui. Allô, oui, papa? Les serpillères? Dans le garage? Pourquoi? Oh, pour rien! Trois fois rien! Je ramène Cédric chez lui. En attendant, vous êtes sous la responsabilité de Blaireau Futé. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Olivier. J'espère que Cédric est vraiment malade, parce que nous laisser avec cette andouille, c'est un sale coup. Merci. Ça n'arrête pas de sonner ce matin. Je vous parie que c'est encore mon père. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais c'est au moins la quatrième fois qu'il appelle. Oui, papa? Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Olivier? Quoi? J'arrive tout de suite. Appelle le docteur. Dites, monsieur Amédée, vous me prêtez votre véhicule pour ramener le petit chez lui? Bah, si vous voulez. Le côté positif, c'est qu'on ne risque pas d'avoir un accident avec ça. Vous en avez mis un temps? Ah, ça, on aurait été plus vite à pied. Bon, je me sauve. Les enfants m'attendent à la ferme. Au revoir, Cédric. J'espère que ça va aller mieux. Merci. Au revoir. Mon pauvre chéri. Mais c'est mon rideau, papa. Tu as mal au... Tu as de la fièvre? Tu veux un verre d'eau? T'es sûr que tu as de la fièvre, toi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh! Le costume de Robert! Ah! C'est vous, docteur! Désolé, j'ai eu plein de patients ce matin. Alors, bonhomme, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ça fait mal, là? Et là? Ah! Et là aussi? Bien, je sais ce qu'il a. Quoi, docteur? Une imagination galopante, voilà ce qu'il a. Ce garçon est en parfaite santé. Oh. Allô? Oui? Bien, j'arrive. Vous m'excusez, mais j'ai des vrais malades maintenant. Toi, jeune homme, je te conseille de ne plus faire ce genre de blagues. Tu es content de toi? Tu m'as fait quitter mon travail pour rien, sans parler de déranger le médecin. Ta mère a raison. Jamais je n'irai faire une ânerie pareille. Oh, ça non! Toi, tu en fais d'autres, des âneries. Tu peux m'expliquer les rideaux du salon, et la cuisine, et le linge? C'est juste que je voulais aider pour la maison. Papa, évidemment que tu rends service. Tiens, si tu n'étais pas là, qui aurait décroché au coup de fil de monsieur Olivier? Et qui aurait appelé le docteur? Eh, c'est pas faux, ça! Quant à toi, le malade imaginaire, tu retournes chez les kangourous valeureux demain, que tu le veuilles ou non. Hé, hey, allô? Un accident de tracteur? Vous n'êtes pas blessé au moins, monsieur Olivier? Non, enfin si, je me suis bêtement fait une entorse en descendant du tracteur. Alors en attendant de me trouver un remplaçant, je suis forcé d'annuler le camp pour demain. Yes! Heureusement, madame Daulnay des Charentes du Ventoux s'est proposée pour garder les enfants à la place. Oh! Ben, je peux garder le gamin, moi.
Allô? Bébé, bébé! Allô? Je peux prendre aussi Manu et Christian. Ça soulagera Madame Dolden machin chose. Et puis comme ça, pas de risque que Cédric s'ennuie. Bon, ben, pourquoi pas? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Olivier, on va s'arranger. Youhou! Ouais! Youhou! Quand même, trois gamins d'un coup. T'es sûr que ce sera pas trop dur, papa? Ça dépend de... On sera sages comme des images. Parole de kangourou. Finalement, tu arrives toujours à tes fins, toi. Tu n'auras qu'à m'appeler à la boulangerie s'il y a le moindre problème, hein? Allô? À quelle heure tu rentres déjà?